Coucou les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Danou est avec moi. Un retour de course chez Leclerc. Voilà. Parce qu'ici nous avons que Leclerc. Alors avant tout, je tiens à faire une petite précision, ce sont nos courses et pas les vôtres. Donc tout simplement, si on n'a pas trop de légumes, si on n'a pas trop de viande, si on achète trop d'industriels, eh ben, c'est pas grave, c'est pas la peine de le mettre en commentaire, parce qu'en fait, on achète ce qu'on a besoin, voilà, tout simplement. Et moi et Laetitia, on travaille, donc on n'a pas forcément le temps de faire les choses nous-mêmes. Et encore, on fait pas mal. Et encore, on fait pas mal, étant donné que je suis allergique aux fruits à coque et aux arachides, et comme il y a beaucoup dans beaucoup de choses, eh ben, on les fait au maximum. Maintenant, c'est pas la peine de nous suriner avec ça. Avec ça. De toute façon, mais il y en a toujours trop fatigué. Voilà, donc, exactement. Alors, les amis, course, ce n'est pas un retour de course de chez Joe. Là, on a envie de se faire plaisir. Des choses qui réconfortent parce qu'il commence à faire froid, surtout le matin. Bientôt la raquette. Ouais, bon, alors, on va d'acheter une nouvelle appareil raquette. Mais là, ce que je vois, c'est l'appareil raquette qui fait pirate. Ouais, mais il faudrait le garder un peu parce que à chaque fois, on achète, mais ça nous fait une saison après. Mais... Ouais. Alors. C'était soit les charales, soit ce par 4. Et ça, on a plusieurs de les prendre par 4, 2 de 4, ça faisait que 8, donc c'était pas bon. Donc, du coup, j'ai pris les charales, ils étaient à 10 euros et des brouettes. Charles! On a eu des frites, alors c'est du coup, il a pris des potatoes crispers, signature de McCain. Ah, ceux-là, ils sont bons. C'est vrai qu'elles sont super bonnes. On les a goûté l'autre fois, elles sont vraiment très bonnes. Les rostis, j'ai dit. Alors, on a deux paquets de rosti. Ça fait longtemps qu'on n'a plus pris des rosti, pendant tout l'été, pendant plus de 3 mois à la passée. Et les nuggets, les maîtres coques. La semaine dernière, on les a fait nous. Mais là, on a trop de rendez-vous. Donc, on a pris comme ça parce que pour nous, après, ça n'engage que nous. Hein, chacun ses goûts, bien sûr. On n'a pas tous le même palais. Pour nous, ceux-là, les maîtres coques, c'est vraiment les meilleurs. Parce qu'on les a tous testés, que ce soit les Ecopus, que ce soit les marques Proper, que ce soit des autres marques, tout ça. Pour nous, ceux-là, c'est vraiment les meilleurs. Donc, je vais remettre ça au congélateur et on va continuer. Alors, je mets ça ici comme ça. Elle pourra un peu présenter. Allez, on commence par les saucisses. Saucisse de Strasbourg x10 de la marque Ecoplus. Voilà, c'est très bien pour grignoter, ça fait bien, ça réconforte un peu. Alors là, on a pris des crémeux vanille. Ils sont bons ceux-là, ils sont très très bons. Et en plus, ils sont, bon, soi-disant, agriculture biologique. Allez, c'est moi. Non, il n'avait pas besoin. C'est tout ce qu'il y a. Oui, je sais maintenant pourquoi j'ai pas repris les desserts pour les filles. On a repris des crémeux au caramel, c'est pour moi ça. Hein. Ceux-là, c'est. Voilà, toujours en agriculture biologique, soi-disant. Alors, ça c'est pour. Permettez-moi d'en douter. Doudou, il s'est pris des Lulu Bourson au chocolat et des brownies à la française. Pour lui, ça c'est pour le matin ou l'après-midi. Ça va arriver. Juste l'après-midi. Là, nous avons des crèmes semi-épaisses entières de la marque Delice. Ils sont par 3, c'est très bien pour ce qu'on veut faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des tomates. Hein. Il y en a, à mon avis, 2,5 kg. Oui, moi, ça m'est pour un petit c'est pour les tomates mozza. Alors, on a les dominos, c'est Michel. Là, les tomates, elles sont à 2,98 le kilo. Ouais. C'est quasiment tout. Des spaghettis de la marque Ecoplus. Elles sont très bien. Moi, je me suis fait ça, des mix meat d'Alconi. De toute façon, pour l'instant, je ne peux pas refaire les pâtes. Je vais faire de la mignon. De la mayonnaise de la marque Rustica en grand format. Pour le goûter à la maison, pour les choupettes, j'ai pris des petites crêpes comme ça. Bon, moi, je ne les aime pas, mais elles, ça leur plaît. Donc, De la purée Ecoplus en flocon. Ah, c'est pour Lulu. Pour changer, je lui ai pris alors
des petits savanes brosseurs à la fraise comme ça. Et il y en a un autre qui est dans un autre sac. Nous avons pris deux packs de lait au chocolat, voilà. Des mousses pour ça, les petits. Ça, c'est pour les filles de ma salle. Là, j'en prends plus du tout. Il a voulu essayer le lait. Il a senti passer. De la, du pain mozza. Ça, dans les salades, c'est tellement meilleur que les mozza boules. Les mozza boules. Ouais, les mozza boules. Ouais, bah, je trouve que c'est meilleur, ça. C'est bien meilleur. Toudou, il s'est pris du pourras se tartiner le matin caramel, beurre salé, à fleur sur le guérin. Parce que pour l'instant, on ne retrouve pas la confiture de lait. Ils l'ont pas pour l'instant. Ah, ça, c'est pour Lucas et moi. Ouais, mais je crois que c'est pas plus mal, en fait. Hein? Qu'il n'y ait pas la confiture de lait, c'est pas plus mal, je crois. Alors là, Doudou, il a pris une barre Nestlé dessert caramel, parce que pour faire un gâteau, je pense. Alors, là, nous avons pris deux fois les deux vaches bio et Normandie framboise délicate. Ça, c'est pour, c'est pour moi, toi et pour Lucas. Pour le matin. Il y en a deux. Et il y a deux lait de vache bio Normandie vanille de Madagascar. On va se régaler. Alors, en fait, lait de vache, il faut savoir que c'est une très très bonne marque. Ouais. En tout cas, j'ai jamais eu à me plaindre de quoi que ce soit. Avec... Oui, c'est une bonne. J'ai plus rien. T'as plus rien ? Alors, ça, on l'a pris au rayon où ça vient de. Je sais pas, soit quand ce soit produit. Italien. Italien. Donc là, j'ai pris. Donc, c'est vrai que c'est, alors, c'est pas donné, c'est un peu plus de 4 euros. Je crois que c'est à 4,20€. La barquette comme ceci, de pasta fresca, aux œufs frais. Mais alors, elles sont au bœuf. Hein. Mais ce que j'ai aimé, c'est que le format, il est petit. Donc, je trouve pour les enfants que c'est très bien. Parce que même Lucas peut les manger tranquillement. Voilà, elles sont au bœuf. Avec Doudou, il va nous faire une petite sauce roquefort avec. Franchement, c'est, je pense que ça va être très bon. Puis en plus, quand on pense au niveau tout... par exemple, les raviolis de Marc Repère, la plupart elles viennent du nord de la France, alors que les Italiens, c'est nos voisins. On est plus proche de l'Italie que du nord de la France. Quel rapport? Ben, y a moins d'importations. Voilà, ouais, le rapport. Donc on paye plus cher, mais au final, c'est meilleur. Et je pense qu'elle va être. Je pense que ça va être plus bon. Vous voyez qu'on est pas trop contents. Donc, Doudou, c'est quoi des Dionélis nature, c'est le groupe des gens. Si tu veux les pètes. Voilà. Moi, je me suis repris des Bifidus, Actifidus ou Bifidus, saveur vanille, pour moi. De temps en temps, j'aime bien les prendre ceux-là. On a repris des compotes de pommes. Ça, c'est pour l'école. Sans sucre ajouté. Ouais, là, j'ai pas repris les barres de céréales parce que là, en face de moi, j'ai deux boîtes pleines. Je ne sais même pas si j'en ai pas dans le placard. Ah, ça, c'est pour l'école. Parce que toutes les semaines, je change leur goûter de l'école. Et j'ai pris deux paquets comme ça, le Cracky Bar, enrobé de chocolat au lait et de riz. Cracky Bar. Alors ça, c'est le roquefort. J'en ai pris deux, c'est pour la sauce roquefort. Étant donné qu'on va faire deux fois les plats par jour, du coup, il m'en fallait deux. Étant donné que la sauce roquefort, j'aime pas quand elle est faite pour le soir du matin. Je trouve que c'est... Elle perd la saveur. Non, pas forcément, mais... Non, j'aime pas casser la chaîne du froid. Oui. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Oui, parce qu'elle est dehors et après, oui, je comprends. Là, on a la poitrine fumée, c'est pourquoi j'ai la poitrine fumée. Pour les carbonara. Pour le carbonara, on a pris comme ça. C'est bon comme ça. Voilà, on a trouvé un truc assez cool. Ouais, pour 4€... 44, c'est du jambon sans couenne, 20 tranches. Bon, bien sûr, il y a du E301 et du E450, mais... Comme dans tous les paquets. Ouais, voilà. Mais voilà, il y a 20 tranches. 20 tranches. Après, moi, je l'ai mis... Après, il n'est pas non plus moche, hein, le jambon. Après, on l'a mis dans les sacs congélation. Attends, on va le goûter, on va voir. Bon. Tu vois mieux que 8. J'ai pas rien, moi. Là, on a repris de la viande hachée parce que Doudou, il va nous faire des boulettes. Lui. Parce que Doudou, il ne nous fait pas des crottes, il fait des petites boulettes. C'est plus sympa pour manger, puis pour les enfants, c'est beaucoup plus. J'appelle ça les crottes de lapin. Voilà. C'est plus gros que des crottes de lapin, heureusement. Des navets boules. Des navets. Des oignons. Oh, je crois que je vais me fatiguer. Là, les oignons, ils viennent de... Bastia.
et des oignons corses. Là, nous avons pris des disques démaquillants Eco Plus. C'est pas pour moi, je ne me maquille pas. Non, ça c'est pour mes ongles. Parce que sinon, j'ai les lavables pour le compte. Là, donc, c'est le deuxième. Ah, voilà, ah, ça c'est bien pour Lulu. Parce que j'ai pris la pelle, j'ai pris ce petit serveur abricot. On a pris une sauce bolognaise pour deux fois. Oui, c'est de l'argent. Parce que voilà, on va pas non plus en mettre beaucoup. D'habitude, on en prend une petite pour un plat. Et oui. Pour le coup, là, c'est retour de tout court. Celui-là, il est fini. Ah, c'est vrai ? Oui, on n'en a pas eu beaucoup. On n'en a pas eu pour très cher non plus. Ah, oh, bah quand tu as mais, fait, tu te dis, on en a eu pour cher. Mais voilà, il y a eu quelques petits trucs ajoutés en plus. Il y a eu évidemment. Il n'y a qu'une chose, peut-être ta boisson. Ouais, alors ma boisson dégueulasse, elle est restée sur l'estomac. Enfin, ouais. Et on a pris des pizzas pour ce midi qu'on a déjà mangé. On les a pris à la boulangerie, on les a pris à la boulangerie. Voilà, donc on les a pris à la boulangerie avec le pain et ça nous a fait du bien. Ouais, parce que c'est meilleur que ça de le faire. Combien on en a eu ? 122. Voilà, 122. Ça peut paraître cher, certes, pour ce qu'il y a, il y a peu. Mais c'est tout ce qu'il nous faut en fait. Et c'est les prix de toute façon, on est sur une île, donc on paye 7 à 10% plus cher que sur le continent. Voilà, donc en fruits et légumes, ben, il n'y avait, avait que les légumes qu'on a pris. Donc c'était mais, la tomate. Mais on en a encore, hein, des légumes. Il y en a encore, il y a beaucoup de légumes qu'on a pris l'autre jour. Oui, parce qu'on ne filme pas tout. Quand on y va pour. Qu'on a des rendez-vous, on prend aussi entre temps. L'autre jour, j'ai repris un sac de 2 kg de pommes aussi. Ouais. Donc voilà. Donc voilà pour cette pour ce petit retour de course petit. Hein. Ouais mais ça va faire la semaine. Voilà. Donc pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, ben mettez un petit cœur bleu avec un petit cœur bleu, c'est tout. Et comme ça nous permettra de voir si vous avez bien regardé jusqu'au bout. Et on fait de gros bisous. On vous fait de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. À liker et puis partager à la limite si vous avez envie. Vous, c'est gratuit. Nous, ça nous permet de remonter un peu dans les sondages YouTube parce qu'effectivement, on n'a pas mis beaucoup de choses en ligne en ce moment. Ma faute. Non, mais aussi, on avait d'autres priorités. On avait d'autres priorités, effectivement, mais voilà. Oui, parce on va essayer de faire plus de sorties et de films en sortie. Aussi, pour varier un petit peu. Et n'oubliez pas, d'ici 2 jours, je mettrai un petit sondage sur YouTube et on le mettra aussi sur Instagram pour vous faire participer un peu à la chaîne. Ouais. Voilà. Non, après, moi, je voudrais parler par rapport à notre agence parce que j'ai eu des commentaires sur le fait qu'ils se demandaient pourquoi on n'apparaissait pas autant. Ce qu'il y a, c'est que, comme vous le savez, on ne vit pas de YouTube. C'est pas notre job parce qu'on a notre société et pour nous il est plus important que notre société tourne que Facebook. Ok, Facebook c'est Facebook, YouTube c'est un petit plus, voilà, mais on n'en vit pas donc on a des tout l'été on a eu des priorités, puis en plus c'était les vacances donc c'était la priorité aux enfants. Voilà, les enfants de toute façon ça sera toujours et toujours notre place. Oh putain, elle est ouverte. Voilà. Bah, attention quand tu l'as pris. Toi, tu l'ouvres aussi. Normalement, tu l'ouvres pas. Bah, il y a eu un problème quelque part. Tu peux la jeter. Bah, jette-la, c'est la petite rappelle. On va éviter, hein. Ouais, on va éviter de tomber malade. T'as déjà une intoxication, ça suffit. Donc, les amis. Bon, on vous fait de gros bisous et à très vite. Merci beaucoup. Putain, je suis dégoûté.